à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Slenderman's Shadow en compagnie de Legbar. Comment vas-tu? Arrête de parler à Fizzle, réponds-moi. Comment vas-tu? Parce qu'il y a un petit décalage quand j'ai reçu. C'est moi! C'est Legbar! Je vais très bien et toi? Ça va très bien, je suis particulièrement heureuse d'être sur ce jeu après Doom, tu vois, ça me repose, ça me détend. Slenderman plus reposant que Doom, eh ben. Oui. Slenderman ne fait pas peur, Doom est terrifiant. C'est... Slenderman ne fait pas peur. Oui, il faut que les gens comprennent ça, Slenderman ne fait pas peur, Doom fait très 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 peur. Dans quel monde je suis là? Je suis dans le monde réel, il faut que les gens reviennent à la réalité. D'accord, alors quelle drogue j'ai prise pour entendre ça? Aucune. Regarde, c'est mignon et tout, il y a des petites filles qui chantent des berceuses et tout, c'est charmant. Ring around the roses, bucket full of roses, ashes, ashes, we all fall down. Traduction simultanée? Vas-y. Des furoncles sur la main, les poches pleines de roses, de la cendre à la cendre, nous tombons tous. Mais c'est mignon. Ouais, ça parle de la peste. Oui, mais c'est mignon. Mais bon. On va arrêter là. Les arguments ne suffiront pas. Ouais. Ah, est-ce que je peux ramasser le cadavre? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas un nounours. Dommage. Ah oui, c'est celui-là. Le cadavre n'est pas un nounours. Oui. Oh mon dieu! Illumination! Les cadavres et les nounours, c'est pas pareil! C'était donc ça! Non, mais ils sont pendus au même crochet. C'est ça qui est perturbant. Mais oui. Tu sais, c'est la petite école. La toute petite école. Bon alors, j'en ai combien là? J'en ai deux des oursons. Je crois que j'en ai deux. Donc il nous en faut combien? On le saura au prochain, j'aurais dû regarder. Par contre, je sais pas du tout où il faut... est-ce que tu sais où il faut s'échapper une fois qu'on a tous les oursons? Alors là, moi, Slenderman... Tu ne sais pas. Okay. Alors, nous avons 3 sur 8. Ok, coucou, salut, je ne fais que passer par là. Je crois qu'il y avait une sortie, mais non, ce n'est pas une. Ah là, il y a un petit ourson. Coucou. Hop. On va ramasser. Ah là, il y a un petit ourson aussi. Hop, là, coucou. 5 sur 8, hop. Coucou, poney! Poney, lapin. A dit poney. Lapin. Tu as dit poney. Lapin, j'ai dit. Tu as dit poney. Lapin. Tu as dit poney. Je vais mourir. Ne mourons pas. Non. C'est toi qui fais peur. Non, il fait pas peur, il fait sursauter parce qu'il gueule dans les oreilles. C'est pas pareil. Oh non, il m'a tué. Méchant bonhomme. Continue. Yes, on en avait 5, on recommence. On prend les 8 et on s'en va. Hop. Est-ce que je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait fait 5 heures d'affilée de Slenderman pour finir Slenderman en une fois? Oui, et maintenant il est à l'hôpital psychiatrique, je crois. Je sais pas pourquoi je me doutais que t'avais dit un truc comme ça. Parce que c'est la vérité. C'est vrai? Non. Mais ça aurait pu. Quand même. Ça fait pas peur à ce point-là. Si. Quoique, ça dépend. Voilà. Je suppose que chacun a sa sensibilité propre. La peur est une illusion. Oui. Elle est soufflée. Oui. Comme le disent les Templiers Noirs dans StarCraft 2, la peur est une illusion. Je ne suis qu'une chimère. C'est lui la peur? Comment?
C'est lui la part pour qu'il dise je ne suis qu'une chimère. Oui, parce que vu que c'était le Templier Noir est une unité qui est invisible et qui peut one shot pas mal d'unités. Du coup, il fait peur. D'accord. Ah oui, logique. Ouais. D'accord. T'es pas content de le croiser du coup. Mais où est-ce qu'ils sont cachés? Je suis sûre qu'il doit y avoir un parcours spécial à faire pour le finir celui-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Slender, alors du coup j'avais envie, puis au moins je sais à quoi m'attendre et du coup je risquais pas de tomber sur un jeu qui fait peur. Ça me paraissait plus intelligent de faire comme ça. Sûr d'avoir un truc assez cool. Hop, on va par là. Ah là, là il y en a un, je m'en doutais bien. Hop là, 5 sur 8. Oh là, oh là, oh là, je m'emmêle les touches de mon clavier. 6 sur 8, très bien. Ah, regarde, mais pourquoi tu m'as tué? J'étais dehors en plus. Méchant, commence, hop. Voleur de Teddy Bears. Tu vois que s'il est gentil, Slenderman? Non. Bah si, parce que pour pas sentir seul, il veut voler les oursons en plus. Parce que c'est quelqu'un de sensible, non? Mais non. Un petit peu quand même. Non. Il a pas de visage, il a pas de sensibilité. Pourquoi le visage est indispensable pour avoir une sensibilité? C'est le reflet de l'âme. Il n'a pas de visage, il n'a pas d'âme. Je suis pas d'accord. Bon. Non. Bon, on en reparlera quand il te fera. Ben oui, mais justement, c'est la preuve qu'il veut pas qu'on le sépare de ses oursons, non? Moi qui les a empalés et tout, alors. Mais je pense pas que le visage soit le reflet de l'âme ou que... qu'il faille un visage pour avoir une âme. Chut. Oui. Chut. Mais c'est intéressant, je trouve. Il est derrière toi. Oui, je pense. Très certainement, il y a de fortes chances. Mais heureusement pour moi, je cours vite. J'ai des petites papates et tout. 4 sur 8, allez hop. À chaque fois, je me fais avoir par cette salle alors que je sais qu'il n'y a pas de sortie dedans et qu'il y a encore moins de nounours à l'intérieur. Et je crois que c'est bientôt que je me fais avoir, donc il va être temps de changer de parcours. On va passer par là. C'est que le parcours ne convient pas dans la suite. Ok, là il n'y a rien. Là il n'y a rien. On a combien de nounours là? Blablabla. Tu vois, c'est le cr. Le cr, ça fait sursauter parce que c'est super fort dans les oreilles. Bah voilà, il m'a tué encore. Bon, on en refait une, mais on sort dehors. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble dehors en fait. Je crois que j'ai jamais pu y aller. Tu ne t'éveilleras jamais de ce cauchemar. Si. J'ai envie de voir s'il n'y avait pas des nounours empalés à l'extérieur ou s'ils étaient tous à l'intérieur en fait. Pour savoir s'il fallait faire un parcours qui incluait l'extérieur. Ou... D'accord, il y a un teddy bear à l'extérieur. C'est bon à savoir ça. Il y en a un là. Donc là, ça c'est bon. Re. Coco. On va tourner à la gauche, t'en penses quoi? Pour changer? Je sais pas. Plutôt que sur la droite. On va tourner complètement à gauche. De toute façon, c'est un essai là, donc tant pis si on meurt. C'est un test. On sait qu'il y en a un dehors et en fait, c'est tout ce que je voulais savoir. J'ai relancé une partie juste pour ça, donc. C'était censé être la dernière, ceci est un épisode bonus. Voilà. Très bien, je suis paumée là, je suis totalement paumée, donc là c'est extérieur. Il
dans les prochaines fois, on inclura l'extérieur, je sais pas comment, mais on inclura l'extérieur parce que en faisant comme ça, je suis paumée après, je sais plus où est mon chemin. Ce qui est particulièrement handicapant dans Slender en fait. On va passer par là pour changer. Et on va recommencer à tourner à droite. Ah bah je sais où on est. Ça y est. On est où? Et je ferme mon écouteur. On est au cul-de-sac, au niveau du couloir cul-de-sac où il y a un ours au bout. Mon Dieu. Ouais. Donc il nous suffit de faire comme ça et de reprendre notre chemin habituel. Ce n'est pas moi qui ai éteint la lampe, je l'ai pas fait exprès. Comment on allume la lampe dans le jeu? Voilà. J'ai un problème de touche QWERTY, moi. C'est un cauchemar, ces touches. C'est pas par là que je voulais aller. On va se balader, tiens, on va découvrir un peu le coin. Oula, on va tellement le découvrir qu'on va se faire tuer en fait. Là, je reconnais. Là, il y a un nounours. Voilà, c'est bien. 3 sur 8, c'est bon, l'honneur est sauf pour cette partie. Mais passe, 4 sur 8, ok. Donc là, ça c'est un bon chemin, vous voyez, on arrive à en avoir à peu près 5 à chaque fois. Enfin là, on n'a pas fait le bon, donc il nous manque un ou deux du début, mais on a trouvé celui de dehors. Donc il faut trouver un moyen d'inclure celui de dehors dans le parcours et de trouver les 3 derniers. Donc je pense que le début, c'est bien comme ça qu'il faut le commencer. Là, il faut pas y aller parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on perd du temps. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen, celui-là, un peu comme Seven Street, de trouver le chemin qu'il faut faire sans se faire tuer, en fait. Bon, et ben on va se laisser là pour cet épisode de Slenderman, et on se retrouvera une prochaine fois pour autre chat. Oui! J'ai une question. Oui? À quand des épisodes sur Slenderman? Le 36 de ce mois-ci. Je vois. Ok. Bon. À bientôt. Portez-vous bien. À bientôt.